Là, c'est la question principale. Bonjour. Donc là, on voit le bonjour. Parce que si je dis pas bonjour, on va me niquer. On va mettre des commentaires hein, pour savoir si ça marche. Comme ça, moi, de mon côté. Je vais voir si ça s'affiche. Wow, j'ai une latence. Ah, ça s'affiche. Ça y est. Ça y est, ça s'affiche. Ça s'affiche. Oui. Bon, tu vois le live offline, bah voilà. Ok, donc c'est bon, ça marche. Bah normalement vous m'entendez bien. Donc ça va être simple, on va faire de la draft en ligne. J'ai déjà fait l'équipe, donc c'est mon jeton draft que j'avais gratuitement vu que j'ai commencé, vu que j'ai commencé. Il était pas, il est bon, je sais pas, je l'ai pas testé. Vu que j'ai commencé, bah vu que je commence dessus, tout simplement, j'ai mon jeton gratuit. Du coup, j'ai lancé la draft, donc j'ai pris un 4-5-1 parce que j'avais des choix bizarres et je suis parti sur ce type d'équipe. Et du coup, voilà, j'ai du Bartra, j'ai du Juan Fran, j'ai Guaida, je sais pas quoi là, Kyle, Clichy. Au final, tout le monde a le collectif, sauf Valencia, il a 8 et Kyle, il a 8, mais après, dans l'ensemble, toute l'équipe a 10, je ferai un live club pro bien évidemment plus tard, vous inquiétez pas. Refresh le live après, t'as compris les bails. Ça sortira demain. Mais c'est en fait, c'est, j'ai envie de m'habituer à la manette parce que je galère encore avec la manette. Du coup, là, je fais des drafts, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est surtout les deux gâchettes jouent, en fait, j'ai du mal. L2, R2, je sais pas, les gâchettes, elles sont bizarres. Bah. En plus, t'as une des gâchettes qui est grave importante vu que c'est le pressing. Et du coup, c'est un peu la merde. Wesh Fatio Alex 13. Donc comme ça, je peux voir vos commentaires. Hein, donc je sais que ça prend de la place sur l'écran, etc. Mais c'est mieux. C'est mieux, voilà, c'est mieux. Pourquoi t'es passé sur PlayStation? Parce que je suis pas passé sur PlayStation, j'ai la Xbox One toujours. Quand revue de Rames? Quand la revue de Rames? Très bonne question parce que j'ai pas encore commencé à la faire, il faut que je la fasse. Là j'attends, bah demain t'as Ancien du PSG qui sort. Après t'auras. Je sais pas si mercredi il y aura la revue de Rames. On verra. On verra. Et puis jeudi je pense qu'il y aura la revue d'un des gros joueurs de l'équipe de la semaine, sûrement Suarez in form. T'as un bon BU sur le banc? Non, j'ai rien en fait. Sur le banc j'ai pas de buteur justement. Ouais, j'ai Ibarbo, tu vois. J'ai Ibarbo, si jamais ça part en cacahuète, je peux le faire rentrer. Après voilà, j'ai surtout du MOC, il y a Sterling aussi qui peut rentrer limite en BU. Vangioni, Darmian, le gardien. Je pense que je vais faire start et que je vais faire rentrer Leno. Parce que ça reste une valeur sûre, tu vois. D'ailleurs, Leno, je comprends pas. Ils ont quasiment tous des cartes sur eux, mais Leno, non, il y a une carte de base, comme par hasard. Salut, salut. Je t'ai envoyé une invite. Ouais, mais je veux pas jouer contre toi, donc ça sert à rien. Bon, allez, c'est parti, on va commencer à jouer. En espérant que ça lag pas trop, que ce soit visible pour vous. En fait, moi, c'est ça ma plus grosse crainte, c'est que ça lag. Enfin, pour vous, moi que ça lag, je m'en fous. Bon, si, c'est mieux que ça lag pas, mais moi, le but, c'est que ça soit visible pour vous, quoi. Plutôt Charb ou Cabu, man? Je suis plutôt Charb, man. Il se passe comment? Je vois là le concours rap, j'ai du monde là, je commence à avoir du monde. J'ai bientôt une dizaine de personnes, tu vois, c'est pas mal. Tu mets modo, l'autre fois tu m'avais dit, j'ai rien dit du tout, tu mens. Tiens, menteur. Tu préfères quel championnat pour défoncer des culs? La Ligue 1 Serie A, c'est quand même pas mal. Hein. Je sais que les boys. Hein. Oui, allô, Star Command. T'as la fibre ou toujours pas? En fait, la fibre, il faut que j'attende 3 mois. Ils peuvent pas proposer d'offres sous 3 mois. Par contre, c'est parce que je suis en live que je trouve pas d'adversaire ou c'est comment?
Tu veux quand même pas me dire qu'il y a personne. Ou alors le jeu a freezé, non? Non, même pas, le jeu n'a pas freeze. Recherche d'adversaire. T'as la fibre, non. Maroc ou Algérie, niveau foot, man. Bah, je dirais plus Algérie, je pense que ça reste, c'est au-dessus. Alors là, ça se trouve, ça appartient en guerre, tu vois, mais je pense que l'Algérie est au-dessus du Maroc en termes de foot. Tu vas voir sur PS4, le niveau c'est au-dessus de la Xbox. Pour l'instant, j'ai fait 3 matchs, j'ai pas eu de problème. Je les ai gagnés. Après, je suis pareil, j'ai presque jamais d'adversaire. C'est chiant quand même. C'est chiant, y a personne qui fait de la draft ou. C'est parce que c'est moi, ils veulent pas. Premier tour, t'inquiète, c'est un peu long, mais le reste, ça ira tranquille. Ah bah d'accord. C'est quoi la meilleure entre PS4 et Xbox One? Moi, je préfère la One. Après, la PS4 est pas mal. Le truc, en fait, c'est qu'après, t'as l'avantage des exclusivités, tu vois. Par exemple, là, j'ai Uncharted sur Play. Et t'as pas sur Xbox. Et PES, par exemple, tu vois. PES sur PlayStation 4. C'est un jeu totalement différent de la version Xbox One. Oh, j'ai trouvé quelqu'un. Putain, j'ai un adversaire. Draft Selection. On prend ton maillot, putain, il est con, quoi. C'est un tueur de devant. Attends, il va m'entendre là le mec quand je vais parler? Allô, tu vas m'entendre, Coco? Hey! Allô? Tu vas m'entendre? Ça veut dire que si j'insulte sa mère en live, il va m'entendre. Oh putain, il va vouloir me boire. Je kiffe pas plus que les. Ah, mais les légendes, c'est de la frappe. Franchement, les joueurs PlayStation, je sais pas. Bon, alors après, faut les crédits, tu vois, pour les avoir. Mais gars, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il parle? Il doit se dire, ferme ta gueule. Oui, il t'entend. Oh putain, le pauvre. Oh là là. Premier ballon. Première perte de balle. Eh, je vais l'insulter si. Oh, putain, bien joué, ça, Coutinho. Clichy. Oh, Kevin. Kevin De Bruyne, oh là là, t'es parti loin, t'es parti loin, vas-y Harry Kane. Boum, oh là là, la frappe très lourde. N'insulte que si c'est Mescal en face. Va dans une partie comme ça, il t'entendra plus. Eh vas-y, j'en bats les couilles de sa vie. Salut d'aller dans une partie, c'est pas à moi. Ouh, Sanchez, poteau! C'est quoi ton logo? Je sais pas, après si tu veux, je regarde, C'est un logo que j'ai packé et du coup voilà quoi. Ça paie comme j'allais. Putain, je l'ai dans la tête. Ouh le crochet! Oh la faute, l'attentat, monsieur l'arbitre! Pourquoi tu m'as pas accepté? J'ai pas accepté tout le monde encore. J'ai trop de demandes. Do you understand that? Alors c'est parti, regarde. Regardez le coup franc. Tu prends Kevin De Bruyne, c'est le boost, hein. Donc tu prends Kevin De Bruyne, là tu fais comme ça, et normalement il y a but. Ah putain! Pourquoi? Là, on va la jouer extérieur, regarde. Tu la joues extérieur comme ça. Bang. Harry Kane. Et bim! C'est quoi la meilleure compo cette année? J'aime beaucoup le 4-3-3-4. 4-1-2-1-2, tout ça. Après, c'est des valeurs sûres, tu vois. Il va où, lui? Il va où, lui? Oh là là! Pff, oh là là! Eh vas-y, je vais te boire toi, je vais boire ton sang. Je vais boire ton sang. Matic, hop. Eh le gars, il doit en avoir marre, il doit se dire, mais putain, mais ferme ta gueule. Jamais. Vas-y. En fait, YouTubeur, c'est en mode c'est un métier. Non mais genre quand tu fais des vidéos, des lives comme ça, je me dis en fait. Les gens, en temps normal, un gars, il doit se dire, mais en fait, on est des cons, tu vois. Moi, quand je tombe sur un Kemet qui a le Kinect à fond et qui m'insulte ma daronne, ça m'arrive de temps en temps, je me dis, le mec est ravagé. Mais au final, YouTubeur, c'est la même chose. Donc là, je lis pas trop les commentaires parce que j'essaie de. Je suis concentré in the game. Bon, pour l'instant, le mec ne touche pas une bille. Mais. Voilà, tu vois, faut se méfier de l'eau qui dort.
Oh là là, oh là là, Kevin De Bruyne, Juan Fran, le centre pour la tête d'Eric. Ah vas-y, la manette elle vibre trop là. Ça me perturbe. Pourquoi elle vibre comme ça la manette? Y a pas ça sur. Oh, y a pas hors-jeu, y a pas hors-jeu, profitons. Profitons de sa blessure, messieurs dames. Soyons lâches. Ouais, alors attends. Sinon, Yaya Touré en impact de FIFA. Mais Yaya Touré, d'ailleurs, tiens, je sais pas, pour PES, comme ça, pour parler un petit peu d'autre chose, faut pas que je le touche parce que sinon, on va y avoir but. Penalty, je veux dire. J'ai ouvert deux packs sur PES 2016, là, sur MyFoot. Enfin, My Club, MyFoot. C'est le mec qui est con. Sur MyClub. Et j'ai eu Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Yaya Touré. Donc en fait, je commence déjà avec deux joueurs monstrueux. Après, j'ai ouvert 2-3 autres packs. En fait, c'est ça avec les packs du début. Alors, Ronaldo, c'était dans un pack UEFA. Genre, j'avais le pack, tu sais, ce vide. T'as un joueur de l'année UEFA, je sais pas trop quoi là. Donc ça, c'est pas mal. Et après, en fait, j'avais. Bah, tu sais, ils donnent des trucs genre 10 000 points d'entrée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai packé et j'ai eu bah, Yaya Touré. Yaya Touré et juste derrière j'ai ouvert un autre pack, j'ai eu Quaresma, donc au final j'ai déjà limite une ligne d'attaque. Bon, je dis pas que c'est. Mais pourquoi tu marches sur ton pote, Kevin? Voilà, Kevin. Le centre. Firmino, Eriksen. Je pense plus Eriksen. Firmino, je sais pas, il doit pas avoir de gab. Eriksen, ça doit être pareil. Il doit avoir un petit déficit au niveau du physique, mais voilà, meilleure frappe, meilleure qualité de passe, tireur exceptionnel niveau coup de pied arrêté. Y a pas à chier. Hein. Y a pas à tortiller du cul pour Chinois, comme diraient les anciens. Eh merde, y a un jeu là. Je pronostique combien pour Real PSG? Normalement là-bas, je pensais qu'on gagnerait à la maison, tu vois. Là, je vais pas te mentir, même si Paris, ils ont éclaté Saint-Etienne hier. Saint-Etienne, c'est. Franchement, je crois que c'est l'équipe. Paris, ils peuvent leur en mettre 15. Paris, ils peuvent mettre 15-0 à Saint-Etienne. Tu peux même pas te baser sur un résultat contre Saint-Etienne, tellement chaque année, en fait, Saint-Etienne au Parc des Princes. Ils se font ouvrir en deux par le PSG. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Galtier base sa composition sur le fait de laisser Laurent Blanc gagner. C'est bizarre en fait. Ils sont très très amis les deux. Hein. C'est le mec qui est dans le complot. Ils sont très très amis. Mais voilà. Dans les packs de précommande, j'ai packé Muller, ça va, c'était la crise de mon club. Vas-y. Vas-y. Hop. Encore. Encore. Faut faire la passe, monsieur, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. C'est pas là que je voulais que tu la fasses. Lourd le contrôle, lourd. Voilà. Antonio Valencia. Antonio Valencia, le centre. Le centre. Harry Kane. Bon, à quoi un but là? On est déjà sur One, j'ai du mal à marquer. Alors sur PlayStation 4, t'imagines pas le bordel. J'ai tenté un enroulé là. D'ailleurs, dites-moi vite fait dans les commentaires si la qualité est bien, etc. Parce que là, au final, depuis tout à l'heure, j'ai pas demandé. Si c'est visible, si on entend bien ma petite voix, si il n'y a pas d'écho. Je pense pas parce que je joue pas avec le son du jeu, mais je sais pas, on sait jamais, tu vois. Je préfère mieux vaut prévoir que guérir. Je vais pas aller au FIFA la semaine prochaine d'ailleurs. Yo Fat, yo Spino. Le cumi va frapper une fois, il va marquer. Je sais pas pourquoi ça va être. Je sens que ça va être un truc dans le genre. Alors j'ai le ballon depuis tout à l'heure, mais je tire très peu. Et je ne suis vraiment pas dangereux sinon. Dans l'ensemble. Vas-y, vas-y, Vanessa, vas-y, Vanessa. Non mais tu vas où, putain? C'est nickel, bon bah si c'est nickel, la technique de faire que de parler pour déstabiliser l'adversaire, pas mal. Mais ça me déstabilise aussi parce que moi aussi je parle. Oh non, non, non. Vas-y, vas-y, Kane, vas-y. Non, mais vas-y, putain, il s'est troué. Yo, l'avenue blanche ou quoi? Peut-être pas quand même, faut que je dorme, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime bien dormir, donc voilà, mais. Oh là là, Harry Kane, boum! Harry Kane, boum! Oh non, c'est pas dedans. C'est chiant. Vas-y, vas-y. Putain de merde. Il va où? Il va où? Prends la gardien. Match sur PS3. Je n'ai pas la console, mec. J'ai la PS4. I'm in the future. Ça fait que de sauter chez moi pour ma part. Ah. Après, peut-être une connexion de merde. C'est le mec qui dit ça. Il a sûrement une des pires connexions del mundo. Hop, hop. Vas-y, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Hop là. Vas-y, Kevin de. Oh, fais chier.
Ouais, après, tu peux peut-être baisser la qualité. Hein. Moi, je suis partenaire Twitch, hein, donc logiquement, tu as cette option dans les commandes. C'est quoi cette qualité de bâtard? Bah, c'est une qualité d'un mec qui a pas la fibre encore, poteau. Boum! Dans ta mère! Eh, mais non, c'est pas dedans. Sa clarinette dans le stade, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire de clarinette là? Il n'y a pas de clarinette, poteau. Hop. Non, elle est là. Elle est là. Elle est là. Oh merde. Tu retourneras sur One après. Bah non, mais je joue sur One, hein, les gars. Je joue sur One d'habitude. C'est juste que là, j'ai la PlayStation 4, donc je joue un petit peu, histoire de m'habituer. Le gars, je lui parle depuis tout à l'heure, il va me lâcher un nid de ta mère au bout d'un moment. Je vais virer Juan Fran parce que. Ce qui fait. Non, pas Juan Fran, je veux dire Valencia. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je vais mettre Sterling à droite. Je vais mettre Sterling à droite parce que j'ai peut-être un déficit de vitesse en fait depuis tout à l'heure. Après, pour l'instant, je suis bien en place en défense, donc je vais pas modifier des trucs. Di Mario, Ben Arfa boost 100 fois. Ben Arfa boost 100 fois. Vas-y. Oh mais non, mais pourquoi tu tacles? Bien joué ça. Bien joué Sanchez. Oh là 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 là, c'est beau, ça joue au foot et tout. Allez, applique-toi! Mais ça, qui ça? Ah, mais c'est Courtois, c'est. C'est quoi ton nom, Xbox? C'est mon cul! Vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y! En fait, là où j'ai du mal, surtout sur Play, c'est au niveau du stick. Le stick, il glisse. En fait, le stick de la manette de Xbox One, il est. Il rentre vers l'intérieur, tu vois, alors que là il est extérieur. Oh mais vas-y, c'est bon aussi Courtois, normalement ça rentre. Et le mec, je le massacre. Honnêtement, je le massacre. Là c'est. C'est hors-jeu, mec. Des fois dans le match, à certains moments. Ah mais moi je sais pas en fait, parce que je joue sans le son. En fait, vous avez le son un petit peu du jeu, tu vois, j'ai pas enlevé le son carrément. Mais moi là je joue sans le son pour pas qu'il y ait d'écho. Hop. Oh l'appel. Oh l'appel d'Alexis. Il a remis dans l'axe. Ah putain! Ah, il y avait un jeu là? Benfica. Il y a un gamin, il est venu, il s'appelle Benfica. Il a mis Benfica! Qu'est-ce que tu veux, bonhomme? Boum. 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 T'habites dans le 91? Non. En Bretagne. Ouais, j'habite dans le 91. Vas-y, vas-y, Raheem, vas-y, Raheem, vas-y. Non, ouais, mais après, au bout d'un moment, faut peut-être que le gardien arrête de faire autant d'arrêts parce que c'est chiant. Y a un mec depuis tout à l'heure, il me demande c'est quoi ton PSN. Hein. Le PSN, il s'affiche. Il s'affiche au-dessus du nom du joueur. Abruti. Je sais pas, faut réfléchir. Vas-tu créer une communauté PS4? Non. Je sais même pas ce que c'est ça. Regarde ça. Hop, là tu changes d'aile. Boum. Sterling tout seul. Pour De Bruyne qui lui remet. Sterling qui va y aller encore une fois presque tout seul. Il n'y a pas faute là? Waouh, monsieur l'arbitre, tu déconnes ta mère. Ça va et toi? T'habites à Ivry comme moi. Mais Ivry, c'est dans le 94. T'es chelou, toi. T'as bien dit t'habites à Ivry comme moi. Oh oui. Oh là là, Sterling. On l'a vu le boulevard. On l'a vu le boulevard de Sterling. On l'a vu le boulevard de Sterling. Le triple centre. Ah putain, mais wesh. Eh, j'aimerais trop marquer. J'aimerais trop savoir ce que ça fait de marquer un but. Le problème, c'est que mon buteur, c'est Harry Kane. Et il pue sa mère. Ah, il était fort en tots l'année dernière, mais là, il est pas tots, hein. Alexis! Oh, c'est quoi cet arrêt? Non, mais c'est quoi cet arrêt? Tu penses quoi du péno non sifflé sur Michy? J'ai pas regardé Marseille. J'ai pas regardé le match de l'OM. Enfin, j'ai regardé un petit peu, mais enfin, je regardais d'un œil. Genre, j'étais pas tout le temps dessus et j'ai pas vu après les images. Eh, son Courtois, il a combien d'arrêts là? Et voilà. Et voilà, ce que je redoutais va arriver. Il a fait rentrer Ronaldo. Putain, c'est la première fois que je le vois.
Je le bois, moi, ton Ronaldo. Je le bois, poteau. Sterling ou Depay? Moi, je pense plus Depay parce qu'il a du physique. Et il a une... Apparemment, enfin, les coups francs de Depay, c'est cheaté dans le jeu. Tu l'as, tu l'as. Allez, applique-toi maintenant sur le centre, Gaël. Applique-toi sur le centre, Gaël. Tu vas faire du club pro avec les abonnés? Oui, pour la millième fois, oui, il y en aura, mais pas ce soir. Là, c'est fut draft. Tu sais, je peux pas faire 2000 choses en même temps. Je crois pas que dans FIFA, tu puisses jouer à fut et en même temps faire du club pro. C'est pas encore. C'est pas encore, tu vois, le truc là. C'est pas encore possible. Il faut deux manettes, j'en ai qu'une. Communauté PS4, c'est une sorte de page avec le thème de ton choix, les gens peuvent choisir. Ah ok, d'accord, c'est genre un délire à la Facebook en fait, mais sur PlayStation 4. Oh oui, les cartes encore. Toujours. Kevin De Bruyne! Non mais vas-y, hey, Courtois, il me casse les couilles, c'est incroyable. Putain, il lit jamais les messages. Et je lis les messages, c'est juste que là, c'est la galère, poteau, de... Tu vois, en fait, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, mais fais chier. C'est juste que là, en fait, depuis tout à l'heure, sur rien, je suis en train de pousser. Et donc, c'est quand le FIFA chaud? Je t'ai dit, c'est la semaine prochaine. Il est chelou, quoi. Écoute quand je parle. La question, c'est quand tu montes ta tête, elle va en même temps que celle avec le FIFA chaud. Il faut arrêter de. Non, vas-y, ça, voilà, typiquement, voilà, c'est bon. Le mec contre moi, il pue la merde, il pue la merde, il est naze, il est vraiment naze. Il y a un gars depuis tout à l'heure, il raconte. Il raconte sa vie, il donne son bilan, je m'en bats les couilles. Je m'en fous de ton bilan, j'ai pas depuis tout à l'heure, il me donne son bilan. En plus, t'as un bilan, poteau, le jeu il est sorti il y a même pas un mois encore, il sort de chez toi. Même moi qui joue beaucoup à la console, j'ai pas ça. T'as déjà 380 matchs? J'en ai même pas 100. Non, voilà, il est là le but. Oh non, ça va, mon gardien fait un arrêt quand même. Ouf! T'en penses quoi des pertes de Mathieu en ce moment? Il est dégueulasse. Il est naze. Il est tout simplement dégueu, Mathieu en ce moment. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, hop, hop, hop. Hop, pars, pars sur le teco, pars. Pars, Juanfran. Redonne-la encore devant. Mais vas-y, il a pas de physique. Il est blessé! Il est blessé, Gundogan, et genre il... Oh, vas-y, c'est quoi cette passe de merde? Une blague en attendant que tu marques comme ça, l'adversaire pourra rigoler. Mais il comprend même pas le français, je suis sûr, ce connard. Hein, tu comprends, connard? Mais regardez, regardez les stats! Mais non, mais c'est gênant! C'est gênant d'être à 0-0 avec des stats pareils. Hey, je suis en train de te le plomber. Je vais mettre des modos là parce que depuis tout à l'heure je vois des mêmes messages en boucle, ça commence à me casser les couilles. Je vais commencer à insulter des mères donc. Oh là 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 là, tu vas où toi? Tu vas où, bonhomme? Faut que je fasse pause, je vais faire des changements. Putain, mais lui après c'est de la triche, il peut faire rentrer Ronaldo. Moi j'ai même pas de buteur. Mon seul buteur c'est Harry Kane. Plus ça, mais... Faute, 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 faute. Non, même pas. Je suis déjà là comme Modo. Ouais, mais t'es tout seul, SCB2B. Donc c'est tendu un peu, non? N'hésite pas à time-out hein, si ça spam vraiment beaucoup. Parce que là, c'est la guerre. Ça arrive beaucoup sur PS4, tu domines mais tu gagnes pas. Ok, bah c'est bon à savoir. Le truc, c'est que je suis en draft, quoi. Donc tu vois, c'est chiant si ça se passe vraiment comme ça sur ce match.
T'es pas hors-jeu, Kane, t'es sur la même ligne. Hein. Il est hors-jeu, putain. Ah non, il était pas hors-jeu! Ah, c'est juste, il est grave lent sa mère. Ok, d'accord. Oh, le tac parfait! Oui! Oh. Faut que je fasse des changements. De Bruyne, il est cramé. Le truc, c'est que De Bruyne, il peut apporter un truc encore, tu vois. Je vais mettre Eriksen à la place de Coutinho. Eh, vas-y, nique ta mère, gars. Nique ta mère. Nique ta mère, Kane. On va faire entrer la valeur sur deux futs. Et toi, Marvin. Invite Prime. Et je suis pas sur Skype, putain! Comme tu peux le constater, il y a un panneau PlayStation 4 sur le côté droit. Ce qui signifie peut-être que je ne suis pas sur mon ordinateur. Je lance directement depuis la PlayStation 4. Donc il n'y a pas de Skype. Il réfléchit, bordel. Non mais si je perds ce match au tir au but, ça va être très mal là. Enfin voilà, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Il va beau commence trop quoi. Vas-y. Le centre. En fait, le but du centre, c'est que ça aille sur ton joueur, sur un joueur de ton équipe. Pas sur le défenseur adverse ou le gardien. En mode, le mec, ça y est, il se réveille. Tu vois, on est à la 80. Non, même pas, on est à la 110e. En jeu. Ça cool, partage tout, je la PS4. Ouais, franchement, c'est sympa comme truc. Moi, j'aime bien. Tu vois, sinon, je l'utiliserai pas, hein, mais c'est grave pratique. Ça l'envoie au charbon. Ibarbo. Mathis, je t'en arrête de faire des trucs à la Verratti. Je sais qu'il t'a traumatisé et tout ça, mais restons sérieux 2 minutes. Allez, Barbo. Mais non, mais Barbo, t'as même pas de vitesse, enculé. Elle est passée où ta vitesse légendaire à deux FIFA? Vas-y, Kevin. Kevin De Bruyne, il va se blesser. Barbo. Non, il la prend pas. Mais non, il la prend pas. Ça fait quoi de se faire voler? Eh, c'est grave bizarre. C'est grave étrange comme sensation. Mais bon, ancien du PSG, demain sur la chaîne, je vais te dire, tu vas voir ce que c'est que de se faire voler. Ça, c'est rien. Oh! Le petit pont d'Alexis. Non, mais pourquoi il l'avait là? Non, j'ai demandé qu'il la mette à Eriksen. Là, il déconne. Là, honnêtement, il déconne grandement. Il y avait un appel plein. Putain, il était ouvert le. C'était ouvert le chemin du but. Vas-y, Eriksen. Nique ta mère, Courtois. Nique bien ta mère, Courtois. C'est impossible. Non, mais c'est incroyable. T'es pas super bon, si facile. Non, j'ai du mal, mais là, tu vois, je maîtrise. Hein. Il n'y a pas. Je maîtrise là, pour l'instant le match. C'est juste que, comme tu peux le constater, je tombe sur Courtois. Courtois, on va regarder à la fin le nombre d'arrêts. Ça va être incroyable. Il est où, Eriksen? Voilà, Eriksen. Oh, c'est bien donné. Putain. Oh putain. Oh, j'ai eu peur. Mais non, mais vas-y. Genre, j'ai pas réussi à marquer contre ça. Enfin, tu vas acheter l'album de Take a Mike. C'est.
Oh, je l'arrête, bien joué. C'est une mixtape gratuite, donc il n'y a pas besoin de l'acheter en fait. Allez. Le tir décisif. Ah, il l'a mis. Il l'a mis. Allez, c'est bon, j'ai de l'avance. Boum. Lulu poteau. Voilà, j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné le match. Ah bah là, je peux célébrer, tiens, c'est bizarre. Sur Xbox One, par exemple, quand je gagne au tir au but, je ne sais pas pourquoi, il y a un bug, je ne peux pas célébrer. Donc au final, victoire. Là, on va aller revoir quand même le nombre d'arrêts du Courtois. Ah, le gars ne s'est pas plongé. Hein, je suis tombé contre un mec qui maîtrisait pas trop le jeu. Alors, homme du match, forcément, Courtois a 10. Voilà, donc Courtois, il a 10. 19 arrêts. 19 arrêts. C'est juste n'importe quoi. C'est qui le joueur gay en première ligue? Je sais pas. Il me semble, apparemment, il y a Klein là, le mec de Liverpool. Après, je sais pas les autres. Boateng ou Silva? Franchement, Boateng, j'ai du mal. J'ai le in-form, mais je le trouve moyen. Voilà. Donc, 19 arrêts pour Thibaut Courtois. Et une note de 10. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tiens, je vais faire ça, copier équipe adverse. Ouais. Ça, c'est pour avoir un succès en fait que je fais ça. T'as même pas réussi à marquer contre lui. Non, mais de ouf. On va regarder les stats finales. Voilà, 17 tirs, 13 cadrés, 57% de possession. 4 tirs, 1 cadré pour l'adversaire. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas marquer. Donc, allez, continuer. Du coup, bah, victoire. Donc, victoire 0-0. Allons remporter la draft. Oh, bah, on va essayer de la gagner, cette draft. La porte boost, non. Dix de notes, c'est possible. Bah comme tu peux constater, oui, apparemment c'est possible. Attendez juste avant, je vais remettre un petit message sur Twitter et Facebook, comme pour prévenir que je suis en live, parce que comme tout à l'heure j'ai coupé, peut-être il y a des gens qui se sont barrés et il y a des gens ils étaient peut-être en train de manger. Clic. Oh pute! Il est pute! Toujours. En live, fut draft. Deuxième match, now. Voilà, hop. Twitter, bim. Facebook, bim. Voilà. Donc, maintenant, faut que je mette HDMI 4, c'est mieux hein, si je veux. Show l'équipe. Ouais. Donc, allez, on va lancer le deuxième match. Mais du coup, en fait, je suis en train de penser à un truc comment? Intelligent de ma part. Ma PlayStation 4 n'étant pas branchée à l'ordinateur. Je n'ai pas besoin de laisser allumer l'ordinateur. Et ce qui fait que ça économisera au niveau de la connexion. Et oui, Jamy. Courtois n'avait aucun collectif. Ah, apparemment, Courtois n'avait pas de collectif. Je lis bien, hein, je lis grave bien vos commentaires. Stanning à la place de Valencia. Non, parce qu'il aura moins de collectif en fait. Je préfère partir avec un mec qui a plus de collectif, quitte à faire rentrer l'autre juste derrière, tu vois. Et en plus, Valencia, je trouve qu'il a fait un beau match. Défensivement, il était pas mal sur le match. Bon, en même temps, je vais pas te dire, c'est un peu con ce que je dis vu qu'offensivement le Kemer a rien fait. Mais voilà quoi. C'est triste que. Évite déjà, évite, Tizer 59, évite de spoiler les séries parce qu'il y en a, ils n'ont pas vu l'épisode. Et moi, je regarde pas Walking Dead, je lis le comics en fait. Donc ça me touche absolument pas ce qui se passe dans la série vu que c'est pas du tout la même histoire. Oui, bah, vous pouvez m'ajouter, hein, j'accepte tout le monde. C'est juste que là, j'accepterai après le live, en fait, et je joue pas maintenant, en fait. Ce que je vais faire, c'est quand je joue contre les abonnés,
C'est en live, parce que généralement quand je joue, quand je suis sur Play 4, sur FIFA, je joue en club pro en fait. Je joue en club pro avec des camarades et du coup, c'est mieux pour... si jamais, enfin, je pense que je ferai des lives, genre où je joue contre vous, des lives où je fais du club pro avec vous, mais ça, là c'est pas le thème aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, j'accepte tout le monde. Après, je sais pas si c'est limité à combien de... C'est limité à combien de personnes? C'est limité à combien de la liste d'amis? Parce que là, j'en ai déjà 200, je crois. Et du coup, voilà. Trois mille. Ah, ok, donc c'est 3 000 la limite. Ouais, ça va, j'ai de quoi faire, je pense. Latence orange. Latence orange. Ça s'est calmé. Ça c'est 1000. Ah. Après avoir testé la Play 4, tu préfères quelle console? Je préfère la One quand même. Oh putain, il y a Ronaldo. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah quand même. Oh, il y a Courtois en plus. C'est de la karma ça. Allez. J'ai une question, je peux la poser. Ouais, pose-la après. Je répondrai pas directement, ça se trouve, hein, tu vois, parce que je suis un peu en train de jouer. Donc j'essaie de d'être concentré un petit peu sur le gameplay, on va dire. Ouais, tu vois où est Ronaldo, poteau. Bien joué ça. Oh là là. Oh putain la barre. Donc quoi, c'est pas le gardien, c'est la barre transversale. C'est quoi son PSN? Mais c'est écrit au-dessus de ma tête, putain, mais vous... Réfléchis, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi les frappes, elles partent pas. Les frappes, elles partent pas aussi bien. Je sais pas, c'est bizarre. Oh là 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 là, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin. Oh, Kevin, rien du tout. Kevin perd la balle. Je suis là, voilà, Juan Fran. Oh, Coutinho. Oh, Fifi. Oh, Fifi. Oh, putain, l'appel de De Bruyne, je l'avais vu. Vas-y, je reviens après des fois, man. Ok. On en est où là? Je comprends pas. Monte ton son parce que son micro est bon. Ah. On entend son micro. C'est quoi le compteur écoulé en hauteur? C'est le temps du live en fait. C'est on air to PSN. Ouais, c'est on air ton PSN. Ouais, c'est on air. T'es con ou quoi? Hey, c'est incroyable, réfléchis putain. On air, ça veut dire genre live, wesh. Il a dit c'est on air ton PC. Le con. Wesh. Non mais, hey. Mais putain, hey, je peux pas jouer dans ces conditions. Réfléchis putain. Mais c'est pas possible. Mon PSN, c'est au-dessus des noms des joueurs, donc Fatmat 91. Hey, faut tirer au-dessus du mur, poteau. C'est ça, football. Harry Kane, tu pues la merde. Boum.
Tu vas à Ultimo Dien ce soir. Ils font un podcast encore, je sais pas. Je sais pas s'ils ont, je sais pas s'ils font un podcast. J'ai pas regardé. T'es de quelle nationalité, frère? Je suis français. I'm French. Oh, j'ai eu peur. Ah, Sanchez, putain, c'est la première fois que je le vois sur le terrain. Ouh, le dédoublement. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne. À quand le FIFA Show? Putain, mais vous êtes. Arrêtez de poser les mêmes questions tout le temps, ça casse les couilles, putain. Je crois que je vais le mettre, je vais marquer ça. T'avais qu'à être là, voilà. Le centre! Yo, mon poteau Yo Charo Team, ça vaut quoi? Je crois que j'allais mettre dans le temps ou quoi? Ta 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 ta. Oh, ça joue bien, dommage que la passe soit dégueulasse, mais. Un des problèmes de mon équipe, en fait, c'est que ça construit bien. Mais il n'y a pas, en fait, au niveau des milieux de terrain, il n'y a pas l'explosivité dont j'aurais besoin, tu vois. C'est des mecs qui ont du ballon, mais ça manque un petit peu de vitesse. C'est quoi, je vais faire rentrer Sterling. Même Ibarbo, je vais le mettre maintenant parce que, vas-y, frère. Tu te souviens, t'as fait un pack opening, je crois que t'as mis juste en photo. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, bonhomme? Non, et voilà, but. La vidéo, je l'ai mis en privé exprès parce que comme je vais aller au FIFA Show, en fait, c'est pour ceux qui n'avaient pas vu ma ganache, tu vois. C'était une FAQ, c'était pour les 9000 abonnés, donc tu vois, ça remonte quand même un petit peu à pas mal de temps, j'ai envie de te dire. Et c'était sur FIFA 13, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah non, FIFA 4. Combien? FIFA 13 ou FIFA 14? Fin FIFA 13, je crois, début FIFA 14. La qualité. Ah oui, non, mais ça ne change pas, ça. La qualité ne bouge pas. La qualité, tant que la fibre n'arrivera pas. Elle ne bougera pas. Mais bon, voilà, tu vois, la fibre, j'ai été chez Orange, ils m'ont dit c'est dans un espace de 3 mois, donc c'était il y a quelques temps maintenant. Je pense que vers Noël, Inch'Allah. Ibarbo, Ibarbo! Mais putain, mais laisse-moi frapper, s'il te plaît, non? Moi, je suis là, je suis nouveau sur la play. Oh là 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 là, c'est. Normalement, c'est obstruction faute, ça. Obstruction caractérisée. Oh, c'est beau le football. Ah putain, mais c'est surtout Courtois qui fait chier. Je me suis fait bannir 10 minutes là. Bah, si tu spams, c'est normal, tu te fais bannir. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, mec. Oh, c'est sur Sanchez. Oh, c'est sur Sanchez. Oh, c'est sur. Penalty? Non, d'accord, bon d'accord. Il est tombé tout seul apparemment. Ça se passe bien le taf ou pas? Ouais, franchement, c'est tranquille, c'est mortel, tu vois. Bon, là, je suis en vacances. Mais ouais, c'est grave cool, moi je kiffe. Franchement, c'est grave stylé de travailler avec les gosses. C'est sympa comme taf, tu vois. Ça lag là.
Vas-y, 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 Barbo, vas-y, Barbo, vas-y, Iba. Ah ouais, mais cours-toi, vas-y, ce putain, juste avant, c'était déjà l'autre là. Enculé. T'es à quel tour? Je suis au deuxième tour là. Je suis au deuxième tour de draft. Et voilà! Voilà, Courtois. Trouve-toi un peu, enfoiré là. Kyle. Les nouvelles séries en projet. Ouais, il y en a une, je réfléchis à la faire en fait. Je sais pas du tout. En fait, faut que je vois au niveau du temps. Parce que comme je travaille maintenant, tu vois. Enfin, là, je suis en vacances, mais. Comme je travaille maintenant, j'ai le temps. J'ai quand même le temps, tu vois, de faire des vidéos, etc. Mais je pensais pas que travailler juste 2 heures, enfin 2 heures, pour l'instant je taffe 2 heures, mais là normalement à la rentrée je vais travailler 4-5 heures dans la journée. Mais rien que 2 heures en fait, je rentrais, j'étais éclaté, tu vois. Je pensais pas que c'était aussi fatigant de travailler avec des enfants. C'est un truc de ouf, tu vois, pendant 2 heures c'est non-stop, genre je dois répéter, fais pas ci, fais pas ça, nanani, nanana. Ouais, voilà, c'était ça, c'était la série avec Ibra, tu vois. Après. Je sais pas si ça va plaire, c'est pas non plus un truc. Tu sais, c'est pas un truc non plus. Ouh là là! Un Road to G1 sur PS4, non, je pense pas, parce que j'ai déjà entamé les trucs. Boum! Oh merde. C'est quoi ta prochaine review? Bah, il y aura James, et je vais sûrement faire. Bah là, t'as comment il s'appelle? T'as Alexis Sanchez. Et merde, je me suis fait avoir. Putain, t'as Alexis Sanchez qui va. Alexis Sanchez, t'as Suarez qui va sortir en boost. Donc je pense que je vais faire la revue du Suarez boost. Fait chier quoi, seule réelle occasion du mec dans le match et il marque. Putain, c'est chiant. Oh. Oh, penalty, penalty. Ben oui, penalty. Ben oui, penalty, monsieur l'arbitre. Ben oui, monsieur l'arbitre, je vais faire une panenka, il va voir. Je vais faire une panenka, il va voir. Oh là là, la panenka, poteau, tu t'es fait avoir. Je sais que t'es français, je sais que t'as le micro, donc tu m'entends. Et je te dis que je fais une panenka, mais c'est du mensonge. Imbécile. Ah, c'est trop bien le micro. T'as fait un BAFA pour ton taf? Non, en fait, je vais le passer là, je pense. Je pense que je vais essayer de le passer, tu vois. Par contre, il n'est pas obligé d'être FR pour comprendre Panenka. Non, mais en fait, je sais avant, tu vois, avant le match, j'ai vu et c'était écrit en français, équipe draft. C'était en français, donc je sais que c'est un français en face. Parce qu'en fait, ça s'écrit. Ça, c'est une petite astuce. D'ailleurs, je sais pas pour ceux si vous avez déjà remarqué, je pense quand même que vous avez un petit peu remarqué. Quand tu lances le match, t'as écrit équipe draft, donc pour bah, désigner ton équipe. Et en fait, c'est écrit dans la langue du joueur. Oh là là, il barbouille. Il barbigno. Putain, eh vas-y, Courtois, il me fait chier. Tu vas regarder J plus 1? Ouais, je pense. Il est quelle heure là? Non, mais non, pas comme ça. Mais non, pas comme ça. Oh putain, je me suis fait avoir. Tu veux faire un club pro? Je ferai du club pro, abonné, vous inquiétez pas. Mais j'ai déjà un club hein, sur PlayStation 4. Oh non, le gardien! Vas-y, dégage. C'est pas dégagé ça, Clichy. Le meilleur MDC de Serie A. Je sais pas du tout. Le meilleur MDC de Serie A. Bah moi en ce moment là je joue en fait je joue en 3-5-2, je joue avec deux milieux récupérateurs, tu vois que je joue avec De Rossi, Nainggolan, c'est vraiment très très lourd. Enfin pas sur ce compte, mais sur la Xbox One, là où j'ai toutes mes grosses équipes, je joue dans un 3-5-2, j'ai un milieu ouais, De Rossi, Nainggolan, c'est très très lourd. Qu'est-ce que tu fais gardien? Mais qui t'a dit de sortir là? Rentre dans tes cages, rentre dans tes cages, arrête tes conneries là. Y'a qui comme youtubeur à porter sur PS4? Mais tout le monde a la PS4 je crois. Enfin, en fait, c'est juste pour les vidéos. Le fait déjà que t'es les légendes, etc. Puis je trouve le réseau est quand même plus stable. Le réseau est quand même plus stable sur Xbox One.
C'est mieux pour les vidéos, je trouve, la Xbox One, tu vois. Après, là, je fais un live parce que moi, j'essaie de m'habituer un petit peu à la manette, tu vois. Bon, j'essaie un petit peu de m'habituer à la manette. Parce que, voilà, je vais l'appeler, enfin, la PlayStation 4, je l'ai vendredi, tu vois. Je l'ai vendredi, je joue depuis samedi. C'est chaud un petit peu, tu vois. Sachant que j'étais sur PlayStation avant, mais la manette de PS4, vraiment, j'ai dû jouer 2-3 fois avec seulement. Tu vois, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Et je suis sur Xbox depuis des années maintenant, donc au final, j'ai perdu l'habitude. Vas-y, barbeau, la tête. Ah putain, vas-y, c'est bon, tu l'as. Penalty? Ah putain, mais laisse-toi tomber! Jouer ça. Oh là là, Alexis Sanchez. Oh là là, terrible. Terrible, Alexis. Quel but, les amis. Il n'y a que moi qui trouve les centres inutiles sur FIFA 16. Bah, en fait, les gardiens, ils ont tendance à sortir énormément. Donc, tu te fais avoir assez facilement. Et là, ce que je lui ai mis avec Sanchez. Et le petit retour là, il fait mal. T'as que FIFA et PES sur PS4. Non, j'ai sur PS4, j'ai God of War. Et j'ai aussi Uncharted Collection en plus de FIFA 16 et PES 2016. Salut Yo Mathis du 92 bio quoi. C'est un mada l'invité, sérieusement? Un joueur à retenir. Un jour à retenir Fat Stream. Non, mais c'est vrai que c'est rare, tu vois. Moi, comme je te dis, enfin, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, dès que j'ai la fibre, je suis en stream tout le temps, quoi. Je suis en stream tout le temps, c'est le feu. Et même moi, honnêtement, tu vois, je me trouve meilleur en live qu'en, enfin, en vidéo. Je sais pas, je trouve que c'est mieux les lives, c'est plus convivial, on va dire. Comme l'autre de tout à l'heure, hein. Lui, je sais pas comment il fait pour pas prendre un tarif parce que. Ce qu'il a pris là, c'est très très sale. Bien joué, gardien. Oh bah vas-y, Barbeau, on t'a le boulevard. Je crois que tu vas. Oh, et Barbigno. Oh! Non mais par contre ça c'est un truc d'enculé de siffler la fin sur ça, je pars au but. Juste pour la différence de but, enfin. T'es obligé, tu vois, de me. Tu ne peux pas me faire ça. T'es obligé de me laisser. T'es obligé de me laisser partir, enfoiré. Putain, je l'ai encore dominé de ouf ce match. Hein. Courtois 7-3, 9 arrêts. Ouais, il a fait moins d'arrêts que précédemment quand même, mais bon. Mais il en a quand même fait. Ça vaut mieux vendre Cavani, économiser des crédits ou le garder. Moi je suis vraiment pas. Je suis vraiment pas fan, tu vois, de. Enfin, je suis vraiment pas fan de Cavani dans le jeu. Active les replays sur Twitch, des fois, il y a des rediffs buggés. Quoi? Tu as quel match de draft? Voilà, tu as ta réponse. Je suis à mon deuxième match. Alors, tiens, ça, c'est un truc marrant. C'est un truc marrant, ce que je vais dire, mais enfin, ce deuxième tour. De draft sur PlayStation 4, alors que j'ai dû la faire 4 fois sur Xbox One pour réussir à passer ce premier tour, donc c'est beau tout simplement. Les GT, ça ne sert plus à rien cette année, j'ai l'impression à parler râteau. Ouais, cette année, il faut vraiment bien les caler en fait pour qu'ils soient dévastateurs. Je peux comme je le, je peux comme je le, je peux. Mugiwara, c'est la Gestapo. Nanana, Mugiwara, no. Le 3-5-2, ouais, c'est de la frappe cette année. Ben Arfa est chaud ou pas? Ben Arfa, c'est monstrueux. Oh, aïe, aïe. Ouais, mes frères, parce que là, je sais que tu m'entends. L'esprit Charlie dans tout ça.
Boateng in form, Messi, Ronaldo, héros. Je vais me faire défoncer. Bah, ça se trouve, ça va être le dernier match. Puis je pense que je vais couper le live en fait juste après ce match parce qu'il y a J+1 qui va commencer. Mais ouais, pourquoi? Pourquoi? Une vidéo versus un youtubeur prévu? Ouais, je sais pas, franchement, je suis pas trop fan de ce délire, tu vois, parce que. Moi, par exemple, je sais pas. Attends, Stéphane Guim. C'est Gérard Houillet l'invité. Pourquoi vous dites Amada? Comment on chuchote sur Twitch déjà? Ça parle de Gestapo dans ce live. On chante, ma Mugiwara, c'est la Gestapo. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il va me faire rentrer? Parce que là, il a fait start. Donc, il va forcément me faire rentrer de l'enculé. Donc, moi, je vais faire rentrer du Barbo Sterling, tu vois. On peut jouer contre toi. Je ferai des lives pour jouer contre vous, les gars. Vous inquiétez pas. Oh putain, c'est un skiller en plus. Oh là là. Iron Skills, Isabelle. Alors, excusez-moi, parce que c'est un ancien trick shooter Call of. Oh putain, d'entrée. Elle est là, la balle, poteau. Elle est là, la balle, poteau. Il s'est pas fait avoir. Merde. Vas-y, 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 vas-y. Il y a penalty! Quoi? Mais frère, il m'a mis un coup de cul! Oh là là, Harry Kane! Harry Kane! L'enfant terrible du royaume! C'est un Français en face? Non, c'est un Anglais. Draft Squad, il s'appelle. Enfin, c'était son truc. Boum! Boum! Ah, j'ai failli l'avoir. C'est pas grave. Où tu vas avec ton. Oh putain, il est passé. Hein. Ça passe pas, poteau. Je l'ai, je l'ai. J'ai dit que je l'avais. Elle est là, elle est là, elle est là. Alors, à noter qu'on est quand même à la 10e minute. Il y a eu des changements d'entrée. Ils ont toujours pas été faits. Peut-être qu'ils vont avoir lieu là. Non, toujours pas. J'ai le droit de poser un lien pour un stream de J+1, vous en pensez quoi? Ouais, bah franchement, ouais, si tu veux, parce que ça peut intéresser des gens, putain, merde. De toute façon, t'es modo, tu peux. C'est juste les autres, je crois qu'ils peuvent pas poser des deux liens, normalement. Ouh, fou. Ça peut intéresser les gens, parce que c'est une très très bonne émission. D'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas J+1, Ah, c'est pas le gardien qui la sort, c'est le poteau. Ah, si, c'est le gardien. Thiago, Neymar, Alexis Sanchez. En plus, vu la chance qu'il a, je suis sûr que c'est Neymar Boost. Mais pourquoi il fait des ciseaux et tout, mais. Mais attends, par contre, il est né où les joueurs là? Parce qu'il a mis. Mais il a fait rentrer combien d'attaquants? Parce qu'attends, il avait Messi, Ronaldo, Jackson Martinez. Je suppose qu'il a sorti Jackson pour faire rentrer un des mecs là. Putain, hey, Sterling, il. Aïe, 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 aïe. Ouais, il a passé Ronaldo en pointe, je suppose. C'était sûr, ça. Voilà, tu vas où? Tu as ouvert des packs à 15K? Est-ce qu'il y a des packs à 15K, là, sur la Play 4, là? Parce que, attends, là, parce que là, je suis. Ouh, le sauvetage! La team que j'ai fait en. Ouais, la team là, elle a moins de 20 000, franchement, elle est lourde. Bah, je l'ai fait sur Play 4 là. J'ai fait deux matchs bah, avant de faire les matchs de draft, tu vois. Non, j'ai fait 2-3 matchs déjà avec. Et j'ai gagné les 3 matchs. Donc, ouais, elle est vraiment très très lourde cette équipe. Hein. Franchement, je ferais un duo Guy Jean-Pierre. Eh, ça serait le duo le plus pété de l'histoire, mon gars. Qu'est-ce qu'il fait, le gardien, putain. Oh là là. Mets-la en l'air, tu sais quoi, mets-la en l'air, on s'en fout. Change d'aile. Voilà. Ouais, non, par contre, si jamais c'est Oibarbo qui centre pour la tête de Sterling et qui marque, il va skiller. Je sais, je savais qu'il allait skiller, mais j'ai pas réussi à l'avoir quand même. Mais je l'ai annoncé, tu vois.
Non, non. Bien joué ça. Presque, presque, presque. T'habites où dans le 9-1? Comme je t'ai déjà dit, poteau. J'habite dans le 9-1, tu sauras pas là. Tu j'ai mon adresse aussi ou quoi? Salaud. Salaud! J'en ai 10 à ouvrir. Ah oh bah si j'en ai 10 à ouvrir alors. Moi j'ai. Je crois que j'ai combien? J'ai 30 000 crédits. Pour en ouvrir deux quoi. Allez Matic. Allez Matic. Y'a faute. Ah bah oui, y'a faute. Attends. Ibarbo ou Doumbia? Je dirais quand même. Je sais pas, j'en ai. Enfin, Ibarbo, de toute façon, j'ai jamais été très très fan. Hein. Kevin De Bruyne. Ouais, mets le mur comme ça, mets le mur comme ça, tu vas voir ta lucarne. Ok, d'accord. Ok, man. Ça va ou quoi? Ça va et toi, c'est R7 Record Breaker. C'était l'année dernière, c'est R7 Record Breaker, poteau. Mais non, mais Ibarbo, putain. Pourquoi il touche la balle, lui? Ah, c'est assez buteur, putain. Je suis obligé de m'appuyer sur son domaine, sur son jeu en pivot. Vas-y, vas-y. Vas-y, Kevin. Hop. Hop, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. On est là. Arrête de spam. Pour l'instant, je regarde pas trop les commentaires. Hein. Je suis vraiment concentré sur ce match. Hop, hop. Hop. Juan Fran. On va changer d'aile. Voilà. On construit, on construit. Hop. On la remet. Yeah. Ah, fait chier. Putain, elle était belle l'action. Ça, c'est une faute intelligente, ça. C'est une faute. Tu fais mal et en même temps tu casses une contre-attaque qui aurait fait très très mal looter une fois, mais bon, j'ai pas testé. Déjà un favori pour le LDVC Congo. Ouais, j'ai déjà un favori. Je dirais pas lequel, mais il y en a un, j'ai vraiment kiffé pour l'instant, tu vois. Oh putain, c'est pas assez appuyé la passe, Sterling. Faut manger des épinards. Vas-y, Sanchez, Sanchez, Sanchez! Hop là, encore. Non, elle est là, elle est là. Tu défends avec A, tu défends avec A, t'es trop mignon. T'es trop mignon, tu défends avec A. Donc moi j'écarte et je la remets dans la boîte. Oui! Oh non, putain, Leno, l'arrêt qu'il a fait. Vas-y, Kevin, vas-y, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, la tête encore. Mais Kevin, putain de merde. Hey, je suis trop con, j'aurais dû garder le coup franc. J'avais un coup franc archi bien placé. C'est vrai, comme série Gotham, c'est monstrueux. Le meilleur buteur de Serie A. Il n'y en a pas énormément dans le jeu. Hein. Des bons buteurs en Serie A, je dirais peut-être Dybala quand même. Après, c'est assez cher. Tu vois quoi comme autre jeu? PES Uncharted. Oui, PES Uncharted God of War Remastered et FIFA 16 que tu vois là actuellement. Après sinon tous mes autres jeux ils sont sur Xbox One. Mais non poto, oui la défense. Je suis plus en difficulté quand même dans ce match. Alors après le mec il a une grosse période là, c'est vrai que c'est moi qui domine plutôt. Enfin juste avant la mi-temps c'est moi qui dominais. Ah putain bien joué l'arrêt du gardien. Là j'ai chaud là. Le mec a décidé de pousser là. Yeah, voilà la défense. Voilà là. Bon, allez, la contre-attaque, la contre-attaque. Allez, Victor. Mais, Iverbo, mais putain, mais c'est pas lui qu'il faut la mettre. Putain, t'es con, quoi. Je t'ai pas jamais demandé de la mettre. Je fais Y. Y, c'est en profondeur. Ça n'existe pas, des passes en retrait avec Y, normalement. Un buteur pas trop cher que t'as vraiment kiffé. Aboubacar, hein. Pour l'instant, Aboubakar, tu vois. Après, j'ai pas vraiment testé de buteurs locaux. Tu vois, là, mon équipe principale sur One, c'est Weah et Ibra Boost en pointe. Donc, tu vois, niveau low cost, c'est pas vraiment ça. Mais après, ouais, s'il y en a un que j'ai vraiment kiffé pour l'instant, c'est. Putain, merde. C'est Aboubakar. Fait réellement penser
Oh, et tout de FIFA 13. Ah putain, fais chier. Putain, y a faute. Ah non, y a pas faute là. Là par contre, y a faute. Ouais, j'ai touché Messi, c'est pour ça. Bébé, Bébé Loco, c'est un ouf. Ouais, j'ai Bébé aussi, apparemment, il a des bonnes stats, tu vois, mais j'ai pas testé. Si on ne m'abuse, retrouver son. Ouf. Moi j'ai les cours demain. C'est pas les vacances là? Touré, il me tue fat, bah, merci. Enfin, il y a un QB depuis tout à l'heure, il lâche des villes du 91. Dis des villes si tu veux, hein. C'est bien, tu connais les villes de l'Essonne. Sanchez. Oh, c'est dévissé ça. Tu penses quoi de ce FIFA? Bah, j'aime beaucoup. Après, il y a pas mal de défauts, notamment. Bah, moi, je sais pas. J'ai vraiment pas... Au niveau des gardiens, j'ai pas de chance. Bon, pour l'instant, je touche du bois. Mais là, le gardien, il fait le taf plutôt. Après, ouais, les gardiens, j'ai un petit. Enfin, moi, souvent, c'est mes gardiens en fait. Les gardiens adverses font trop de différence, alors que le mien en fait pas assez, je trouve. Et après, bah, les pénaltys vraiment bidons. C'est genre, tu touches à peine le mec dans la surface, il y a faute. Ça, c'est casse-couille. Franchement, c'est horrible. Après, sinon, le gameplay, moi j'aime bien comment il a été repensé. Même si depuis la mise à jour, je trouve le jeu il est un peu plus rapide quand même. Ah non, mais eh, c'était prévisible ce que j'allais faire. Oh, Coutinho! Ah putain, vas-y, les gardiens ils font trop d'arrêts là, les gardiens adverses. Quand tu vas passer au FIFA Show, toutes tes vidéos seront en facecam. Après le FIFA Show, je vais faire du facecam, mais ça sera pas tout de suite parce que j'ai pas le matériel et si vraiment je fais du facecam, je veux que ce soit la meilleure qualité possible, tu vois. Je veux pas vous balancer un truc en mode freestyle, genre avec une caméra toute pétée, tu vois. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc réellement, le jour où je me mettrai à faire du facecam, et je pense que je vais m'y mettre, faudra attendre que j'ai le matos. Donc ça sera pas pour tout de suite, voilà. Frappe d'enculé, Marco Verratti. Ah, hier, il en a mis une belle, hein, frappe d'enculé. Mais ça reste le meilleur, de toute façon. Il peut marquer 4 buts contre son camp dans le même match. Il peut nous faire perdre hier, je m'en fous. C'est lui le plus fort. On l'a vu, la lecture du jeu. Vas-y, gardien, vas-y! Ouf! Comment il défend avec A, ça se voit trop, tu sais, comment le truc il se retourne, comment le joueur il se retourne. Le joueur poteau, il te lâche A. Tu sais, tu peux le dribbler, non? Il va. Non, en fait, c'est pas que je suis timide, c'est que j'en voyais pas en fait l'intérêt de faire du facecam. Et comme j'ai dit, tu vois, j'ai fait des tests, tu vois, comme ça en off. Et en fait, je trouvais que je me sentais pas à l'aise, tu vois, la caméra. Et enfin, après, tu vois, là, je vais faire le FIFA Show. Si ça se trouve, je vais pas être à l'aise du tout. Je sais pas, tu vois, je sais pas encore. Tu vois, ça va être une expérience toute nouvelle. Donc, on verra. Oh, penalty, penalty. Bah oui, penalty, monsieur l'arbitre. Alors, Panenka direct, les gars. Comme tout à l'heure, la Panenka. On va leur montrer ce qu'ils vont voir. La Panenka. Ils vont voir ce que c'est. Une Panenka poteau. Oh, ça a pas marché, la technique de pute. Merde. Ah putain. Après, il y a une justice un peu quand même. Bon, même si je vais pas te montrer. Penalty encore? Eh ben oui, deuxième penalty. Deuxième penalty. Oh non, mais non, mais non, mais c'est pas vrai. Il a arrêté deux penalty en 5 minutes. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Putain. Et je me suis fait avoir à mon propre jeu. Il a arrêté deux pénaltys dans le même match. J'aurais dû dire la Panenka. Eh, c'est chaud là. Là, c'est chaud.
En tout cas, je joue pas contre lui. Il faut pas que j'aille jusqu'au tir au but avec lui, sinon j'ai perdu. Parce que il est rentré dans ma tête là. Tu l'as, Sanchez, tu l'as. C'est Matic. Matic, je te rappelle que t'es milieu récupérateur, man. Bien joué, ça. Oh, la défense terrible. Y a pas hors-jeu. Y a pas hors-jeu. De toute façon, il y avait hors-jeu et le gardien, enfin, il a tiré sur le gardien, c'est con. Pour les joueurs, disais que tu donnes, tu dois respecter des règles. Bah, je peux en demander 3. Je suis limité en légende. Après, bah, enfin, non, il n'y a pas de règle particulière, je crois. Hein. Après, il me les donne pour que je fasse des vidéos dessus, tu vois, et c'est ce que je fais. Parce qu'en fait, c'est ça, enfin, il nous donne des joueurs pour qu'on ait du contenu. Ce qui est bien, tu me diras, parce que voilà. Allez, allez, continuons. Et je crois que je peux pas demander des joueurs trop anciens aussi. T'es claqué, Fat, ouais, de ouf. Oh non, mais je peux pas rater ça, putain, j'ai un putain de tireur de coup franc. Je préfère large la manette d'Xbox, ouais. C'est un truc de ouf la manette d'Xbox, comment elle est bien. La manette de Play, en fait, j'ai du mal. C'est les sticks, mes doigts ils glissent en fait sur les sticks. Genre, tu sais, c'est pas. C'est vers l'avant, les sticks ils ressortent. Alors que sur Play, tu vois, c'est. Tes doigts ils restent bien. Ils sont fixés, on va dire. Allez, Kay. Ah mais les gars, regardez, au jour d'aujourd'hui, par exemple, les sites de crédit, tu vois. Moi, c'est pareil, j'ai refusé des offres de ouf, parce que quand les sites de crédit, en fait, quand il y a eu la mise à jour des fourchettes, tout le monde pensait que c'était mort, tu vois. Donc les sites de crédit sont revenus, ils ont perdu pas mal de gens, et les sites de crédit sont revenus avec des offres, j'ai refusé des 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, tu vois. Et moi, j'ai jamais pris d'argent, en fait, vis-à-vis des sites de crédit, je prenais que des crédits justement pour faire des vidéos. Parce que les sites de crédit, tu vois, tu prends de la thune. Mais tu déclares ça comment? Sachant que déjà, c'est une activité illégale. C'est bizarre en fait. Tu sais, y a trop d'ambiguïté au niveau de ce truc-là. Et là, au jour d'aujourd'hui, maintenant, les sites de crédit, on apprend qu'ils vendent des points FIFA, des comptes avec des points FIFA générés avec des cartes bleues volées, tu vois. Donc c'est chaud. J'ai puissant 5 minutes. Ouais, bon, on va terminer ça, puis après, on va aller regarder la télé. Revue du joueur argent prévu. Là pour l'instant non, mais pourquoi pas plus tard. Je parle pas trop là parce que je suis vraiment concentré. Je veux pas aller au tir au but contre ce truc là parce qu'il va tout arrêter. 3 000 euros, carte bleue volée ou pas. Ah mais après si les condés ils toquent chez toi, tu fais comment? Si les policiers ils toquent chez toi, tu fais quoi? T'as fait 3 000 euros, c'est bien. C'est mou, le live n'est pas en HD. Bah de toute façon j'ai pas la connexion, donc je veux dire.
C'est pour que ça lag, autant que ce soit en qualité moyenne, mais qu'il n'y ait pas de lag, tu vois. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, De Bruyne. Oui, De Bruyne. C'est plus de NBA. Ouais, NBA, franchement, je vais en faire, hein, vous inquiétez pas, mais voilà. Oh putain, le but. Kevin De Bruyne. Donc, faut que je tienne le score. Faut que je tienne le score. On va repasser derrière. Hein. Ouais, c'est un missile là que tu l'as envoyé, poteau. Dédoublement. Comment tu fais pour pas en avoir marre de jouer à FIFA toute une année? Bah, je joue à d'autres jeux en fait. Là, j'ai pas mal de jeux quand même, tu vois. C'est juste que je les fais pas en vidéo, mais l'année dernière, j'ai pas mal saturé parce que j'avais du mal avec le gameplay en fait. Il me saoule les jeux, tu vois, la communauté, tout ça. Là, cette année, j'aime bien le jeu. Donc, ça va. Oui, le 2-0. Le match est plié. Le match est plié. T'as vu un chanteur de petit 4 est mort? Ah non, j'ai pas vu du tout. Tu as déjà gagné une draft? Jamais. Donc là, je vais aller en finale. Et je pense pas que je vais la faire en live. Je pense que je la ferai en vidéo, peut-être. Je sais pas. Mais là, je vais couper le live là-dessus. Donc, c'était Fatmat91HD pour un live sur FIFA 16 FUT Draft. Je suis donc en finale. Je sais vraiment pas s'il y aura une vidéo sur la suite ou si je mettrai une capture d'écran. Le truc, c'est que j'ai pas envie en fait de. J'ai pas envie de me faire des DDoS en pleine finale parce que ça va me faire péter un câble. Du coup, ouais, je vais couper là-dessus. Donc voilà, Stéphane91HD, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, les gens. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Clem, si tu peux remettre le lien de J+1 pour ceux qui veulent voir l'émission, tu peux. Donc passez une bonne soirée, puis rendez-vous demain sur la chaîne Ancien du PSG, premier épisode sur FIFA 16. Allez, salut les gars.